Depuis ce matin, Bangui, la capitale de la Centrafrique, a sombré dans la confusion. Ces scènes de pillage font suite à la victoire militaire des rebelles du Séléka. Le déploiement des troupes s'est accéléré autour de Bangui ces dernières heures. Les effectifs des soldats français vont être augmentés. C'est l'hélicoptère qui guide ces hommes dans leur progression. Le contact radio est permanent. Un deuxième hélicoptère est venu en renfort. Dans moins d'une heure, la ville sera sous couvre-feu. Mercredi 23 septembre, on se rend à l'Autorité nationale des élections pour un entretien avec le président de cette autorité, Dieudonné Kombo Yaya, pour faire un point sur notre appui technique à l'ANE et plus généralement sur le processus électoral à quelques semaines de la clôture des opérations d'enregistrement des électeurs. L'ANE est l'institution chargée de gérer tout le processus électoral. C'est une institution indépendante, hein, indépendante et neutre par rapport au pouvoir public et aux partis politiques. Dans ce pays, les enfants naissent dans la crise, ils grandissent dans la crise et puis ils meurent dans la crise. Je crois qu'il faudrait que cela cesse. L'intervention de la France dans le financement du processus électoral en Centrafrique est extrêmement importante. Et aujourd'hui, nous avançons, hein, quelles que soient les difficultés. Nous avons connu les difficultés, vous savez, aucune œuvre n'est parfaite. Et que de chemin parcouru, en fait. Ça va. On est quasiment maintenant à l'orée du bois. Oui. Parce que le constat, quand même, sur le terrain, moi, pouvoir aller sur le terrain assez souvent pour m'assurer de la mise en œuvre du projet, notamment avec l'ANE, on voit bien qu'il y a un fort engouement des populations. Absolument. Les populations Absolument. S'enregistrent en masse. Absolument. Et je crois que cette prolongation de la durée de recensement est nécessaire. Ce sont les Centrafricains qui dirigent leur propre processus. Bien évidemment dans un contexte très compliqué, dégradé. Mais moi, mon objectif, c'est un peu l'approche de cette ambassade, et c'est l'approche française, ne jamais oublier que c'est d'abord une responsabilité nationale et qu'on ne fait qu'accompagner. Bien évidemment, en apportant notre conseil, en apportant notre expertise, notre financement, notre concours financier, mais au sillage du conducteur, c'est d'abord la Centrafrique. Pour nous, le succès de l'ANE, ce serait le succès de la coopération, de cette coopération que nous avons avec la Centrafrique, et en premier lieu avec tous ces organes de transition. Nous sommes à la MINUSCA, au quartier général, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. C'est une mission de maintien de la paix, qui a été déployé en Centrafrique il y a un an, maintenant exactement, et qui vise, avec le mandat du Conseil de sécurité, à travailler à la stabilisation de ce pays, à la sortie de crise et au rétablissement de l'ordre constitutionnel, tout en veillant dans le même temps à la cohésion sociale, à la restauration de la paix. Mais ça, ce dossier-là, on est en train de l'étudier. Mais c'est un cas particulier. Au titre des informations, on a appris finalement que le test de constitution a été transmis à la présidence. Donc au moins, bon, ça c'est une bonne chose. Il ne faut surtout pas ériger le monitoring en tant que, métrique absolue du nombre d'électeurs qu'il faut avoir. Je pense que petit à petit, l'État se restaure et la France joue un rôle. Et M. Barry, avec tout ce qu'il fait et avec la porte d'entrée qu'il a auprès de M. l'ambassadeur, je pense que vraiment, il est une pièce indispensable du processus électoral. Nous allons boucler l'enregistrement des électeurs pour avoir un fichier. C'est la base de tout processus électoral. Et je pense qu'une fois qu'on aura ce fichier, rien ne pouvait justifier qu'on ne puisse pas aller aux élections. Préparer
De manière pratique, en quoi est-ce que ça consiste, le projet Okodefad? C'est expliquer concrètement à ces femmes et à ces jeunes ce que vont leur apporter leur participation au vote et leur inscription sur les listes électorales. Donc ce sont des personnes qui viennent parler à leur père de leur avenir commun. Et comment cet avenir commun passe également par l'inscription sur les listes électorales. Ici, on voit plus qu'ailleurs encore comment s'inscrire sur les listes électorales, c'est une résonance pour l'avenir, une résonance pour la paix. Donc, tu attends ton vélo qui suit pour la sensibilisation. Et bien, alors, à la pire qualité, ou à la moyenne, tu formes à la Ibani, mais ton à la Sarahina Patapata. La présidente de Okodefad, c'est Bernadette Sayo. C'est une dame qui s'est engagée de longue date dans la société civile en faveur des droits des femmes, qui a été nommée dans un gouvernement d'unité nationale ministre de la promotion féminine et des droits des femmes. C'est une femme qui a subi dans sa chair les affres de la crise, des crises centrafricaines. Et c'est une femme qui est surtout non-partisane, qui n'est pas politisée, si ce n'est au sens noble du terme. Semaine hein, de la clôture des opérations d'enregistrement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ce formulaire là ne nous sera plus utile, mais au cas où s'il y a un cas d'accident, on peut toujours se référer à ça. Il y a un code barre qui est le même que sur le formulaire. Donc le logiciel arrive à reconcilier voilà. Les deux. Temporaire. La visite de l'ambassade de France, hein, l'équipe de l'ambassade de France. Là, c'est l'atelier de l'archivage temporaire. Tant que ce n'est pas au complet, ces formulaires-là vont être gardés ici. Pour ne pas que oui, qu'il y ait des confusions dans l'archivage. Et une fois que c'est installé là, comment est-ce que c'est transmis directement? Ce qui est génial avec ce système, c'est que ça reconnaît automatiquement l'écriture. Et après, ces formulaires scannés vont apparaître ici. Il y a eu une demande aussi pour augmenter la capacité de scannage, vu la période de pointe qui s'annonce. C'est un peu le cœur du réacteur. Hein. Donc toutes les données qu'on peut avoir, c'est ici qu'elles arrivent et qu'elles sont sécurisées. L'idée, c'est vraiment juste de bien s'assurer à une semaine de la clôture des opérations d'enregistrement, de tout l'effort que vous déployez et qu'on soutient. Alpha, bon courage à toi. Merci. Hein, parce que c'est vous maintenant qui avez la responsabilité technique. Hein, c'est ce qu'a dit le comité de pilotage. On ne vient pas en Centrafrique de manière anodine. Au-delà de l'emploi, de la carrière, de l'aspect professionnel, il y a un engagement personnel. Si au quotidien, on œuvre à la paix, de manière pratique, ça peut. Ce n'est pas pour la gloriole, ça peut paraître énorme, sorti du contexte, mais c'est une réalité de tous les instants. À titre individuel, le soir venu, même fatigué, on sait qu'au terme de la journée, on a été utile. Nous sommes un peu sans famille. C'est aussi ça la réalité que de travailler à Bangui. Il a bien fallu que je prévienne mon épouse avant, en lui disant, écoute, il y a peut-être des chances que tu n'arrives pas à me joindre, t'en inquiète pas. À tout de suite. Merci. Merci bien. Voilà, donc là, on va se rendre à la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est un de nos premiers partenaires ici, hein, dans le cadre du processus. Il s'agit de 9 juges constitutionnels. Bonjour. Bonjour, monsieur.
finir par la Cour constitutionnelle, parce que ce sera le dernier recours finalement dans le temps. Nous aurons le dernier mot. Alors voyez là, c'est notre salle de délibération en fait. Et quand j'ai vu rien que le bureau du président du Conseil constitutionnel français, j'avoue que j'étais un petit peu jalouse comparée à ce que nous avons. Mais nous allons faire le maximum avec ce que nous avons et avec l'appui de nos partenaires et particulièrement de la France. Le code électoral révisé a réduit les délais de contentieux. Il leur faut donc travailler d'arrache-pied, d'avoir au moins les moyens qu'il faut pour rendre des décisions dans les délais qui sont rigoureusement fixés par la loi. Donc la Cour vient de soumettre donc à l'ambassade de France les termes de référence d'un second projet d'appui institutionnel. Ces délais réduits, et ça au niveau de la Cour, nous y faisons très attention, ne doivent pas nous conduire à bâcler le travail. Parce que si c'est courir pour tomber à l'arrivée, c'est pas la peine. Il y a une chose que vous dites pas, parce que vous êtes peut-être bien trop modeste. Je regarde mois après mois, et grâce à Internet et grâce à nos relations, vous-même, Madame la Vice-Présidente, directeur de cabinet, nous transmet comme aux autres bailleurs et comme à l'opinion publique les décisions que vous rendez. Vous avez une production qui est assez dynamique. En termes de décision, d'avis, vous êtes éminemment sollicité. Madame la Vice-Présidente, vous avez une qualité. Madame la vice-présidente, je note que les femmes sont bien présentes. Oui, déjà au niveau de la cour, sur 9 membres, nous avons 4 femmes. On les a appuyés en termes de renforcement de capacité. Ils ont pu bénéficier d'un voyage d'études à Paris auprès de la Cour constitutionnelle. Ils ont été reçus par M. Debré et son institution. Termes de formation, de renforcement de capacité par le ministère de l'Intérieur. L'ambassade de France, à travers une subvention, a doté en moyens et équipements la Cour constitutionnelle. Donc des serveurs, des ordinateurs, une bibliothèque, le début d'une bibliothèque. La base des documents, ce sont les documents qui sont donc offerts par l'ambassade de France. Ça nous a beaucoup aidé pour faire le sans faute que nous faisons pour l'instant, en espérant que nous allons continuer dans ce sens jusqu'à la fin du processus électoral. Nous avons quelques spécimens des deux lits de camp. De camp. Voilà. Très voilà. De camp. Ça peut servir. Voilà. Donc, ah, oui. Voilà. Mais nous en avons pratiquement une vingtaine pour donc aider et les membres de la Cour, et le personnel administratif, et les agents de sécurité dans les périodes de pointe. Voilà. Il faut rappeler, monsieur le directeur de cabinet, que ce n'est pas nous spontanément, c'est la Cour. C'est la Cour. Même si ce sont des lits de camp, on les veut. Voilà, c'est nous qui l'avons demandé. C'est le centre de traitement des données se fasse. On a de grandes difficultés avec les volets techniques et on va dire, je dirais, des instruments ou des appareils qui ne sont pas forcément au point. Et donc on a besoin de s'occuper de beaucoup de questions qui peuvent paraître comme des questions de détail, mais qui sont en fait essentielles parce qu'elles déterminent la possibilité de réaliser les élections dans les délais prévus. Mais précisément, c'est parce que c'est une réunion stratégique dans laquelle il faut tout de même régulièrement rappeler pourquoi nous faisons ces élections et pourquoi la communauté internationale aide la République centrafricaine à faire ces élections. Il me paraît nécessaire de rappeler les principes sur lesquels nous nous fondons. Si on ne rappelle pas que les Centrafricains veulent voter et que c'est pour ça qu'on fait tous ces efforts, si on ne rappelle pas que la transition dure depuis plus de 2 ans maintenant et qu'on arrive au bout de ce qui est possible, qu'il est nécessaire de passer à quelque chose de démocratique. Si on ne rappelle pas que le Fonds monétaire international ne peut pas donner son feu vert pour une nouvelle aide, cette fois-ci à moyen terme, à un gouvernement qui ne serait pas démocratiquement élu, eh bien, on oublie l'essentiel. Et on a l'impression qu'on organise quelque chose de technique, alors qu'en réalité, on est dans un processus qui est totalement politique. Aujourd'hui, je peux dire que afficher ou bien publier la liste électorale de
de la préfecture de Bangui. Vraiment, c'est une question un peu problématique. Si vous pouvez nous laisser quelques semaines, une semaine, pour traiter, attendre d'abord les formulaires des autres centres qui ne sont pas encore là. Je suis étonné que vous disiez que vous êtes en cours de scanner, tout ça. Vous savez bien sur les appareils qui chauffent. Il faut prévoir des troubles. C'est comme ça. Moi, je ne sais pas quelle est ton analyse, mais j'ai le sentiment que on a quand même levé un gros lièvre là, qui est le fait que le CTD, le centre de traitement des données, n'est pas au point. Bon, sinon, moi, le point que je trouve quand même très positif, c'est la réaffirmation par le Premier ministre, à la suite de la décision de la présidente de maintenir absolument le délai de la fin décembre. Notre devoir à nous est de répondre à cela et de permettre que les élections aient lieu dans les délais prévus. On peut souhaiter que les élections aient lieu comme prévu, que le pays continue de s'apaiser, qu'il parvienne à entamer sa reconstruction politique, sa reconstruction économique et sa reconstruction sociale, que les enfants retournent à l'école, qu'ils préparent l'avenir de leur pays, car c'est eux qui le portent, et que, eh bien, dans ce cadre-là, la France continue d'accompagner la République centrafricaine dans le respect de ses choix, de ses orientations. Voilà, je crois que l'ambassade, elle a un vrai rôle à jouer dans ce sens-là, avec une approche nouvelle de la relation entre la France et ce pays, la Centrafrique, où elle a une histoire longue et complexe. Nous souhaiter quelque chose ici en Centrafrique, ce serait plutôt qu'on aboutisse et qu'on voit aboutir tous ces efforts soutenus par tous, Nations Unies, Union Européenne, France, Centrafricains en premier lieu. Nombreux et nombreuses Centrafricaines qui sont engagées sur cette voie des élections, et qu'on voit se tenir ces élections, qu'il y ait des autorités élues, et que tout cela se passe comme le font le Noyau de Paix ou le Codefad, dans la paix. Et que ce soit en plus que ces personnes qui seront élues soient les symboles de cette paix retrouvée, de cette unité nationale.